Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'Honneur, un Tour d'Honneur très riche en actualité puisqu'il y avait beaucoup d'événements ce week-end. Nous sommes au haras de Jardy pour parler de concours complet. On parlera notamment du CIC 3 étoiles qui s'est donc déroulé ici. Mais avant, eh bien, on va parler de saut d'obstacle avec un petit tour d'Europe direction la Suède, le Portugal et le centre de la France. Direction Falsterbo d'abord, sur la côte suédoise, pour une Coupe des Nations où la France n'a pas envoyé d'équipe. Mais d'autres comptaient bien sûr marquer de précieux points. L'Allemagne n'avait pas non plus choisi cette étape, mais elle l'emporte avec un total de 7 points sans avoir aligné ses meilleurs représentants. Mention spéciale à la jeune Catherine Eckermann, meilleure cavalière de la Mannschaft, qui totalise un seul point de pénalité sur les deux manches. Chez eux, les Suédois terminent deuxième avec un score final de 8 points, emmené par leur leader, Rolf-Göran Bengtsson, qui avait choisi ici Unita Ask. L'Espagne et les États-Unis complètent le podium avec 9 points au compteur et le seul double sans faute du jour est signé de l'américaine Brianne Goutal sur Nice de Prisset. Au classement général, la France domine toujours devant l'Espagne et la Suisse. Seules ces trois nations ont déjà couru toutes leurs étapes qualificatives. Toujours au bord de la mer, mais au Portugal, à Estoril, la 8e étape du Global Champions Tour est remportée par le numéro 1 mondial. Deuxième victoire donc pour Scott Brash et Elo Sanctos, déjà vainqueur à Cannes. Le jeune écossais devance Rodrigo Pessoa et Status, et son compatriote Nick Skelton, associé à Big Star, couple le plus rapide mais fautif au barrage. Bassem Hassan Mohamed était encore une fois lui aussi au barrage avec sa jument Victoria et termine 4e. Le Qatari s'installe donc à la 2e place du classement général derrière Edwina Tops Alexander qui reprend le leadership grâce à une 7e place ici avec Old Chaptam, de quoi rendre l'organisateur Yann Tops heureux. Deux Français étaient engagés et tous les deux figuraient en 2e manche. Reynald Dango et Opéra des Loges sont 12e juste devant Guillaume Battia sur Hutchin Imperio Egyptio. Enfin, à Vichy, sous une météo très capricieuse, plusieurs cavaliers décidaient de ne pas prendre le départ et seuls 4 couples se retrouvaient au barrage du Grand Prix. À l'arrivée, doublé français avec la victoire de Sébastien Duplan et Pégase Dumurier qui devance Benoît Cernin qui montait lui Priam du Chanet. Et c'est maintenant le moment de nous intéresser à ce qui s'est passé ici au haras de Jardy et notamment sur le CIC 3 étoiles, l'épreuve phare où les Français ont brillé. On ne peut pas dire que le ciel ait été très clément pour l'ensemble des concurrents sur le cross. Cependant, ça n'a pas empêché les 37 couples de prendre le départ. Et si les étrangers étaient nombreux, dès le dressage, ce sont les Français qui tiraient leur épingle du jeu. Ils conservent leur position après le cross aux 3 premières places, même si personne ne réussissait à terminer sans faute dans le temps. Didier Denain, avec Opie de Saint-Léo, conserve sa 3e place malgré 5,20 de pénalité et il cumule à l'arrivée 47,20. L'écart se creuse donc un peu plus avec les deux hommes de tête décidément très en forme, réalisant le meilleur cross avec une seule seconde de temps dépassé. Maxime Livio réduit même l'écart qui le sépare du leader avec Picador. Un écart qui se réduit puisque Thomas Carlile a lui 9 secondes de retard sur le temps idéal et avec Sirocco du Gers, le cheval champion du monde des 7 ans l'année dernière, il reste en tête mais n'a pas une barre d'avance sur Maxime Livio. Le lendemain, sur le dernier test, les barres tombaient facilement en début d'épreuve, mais les nerfs restaient solides chez les hommes de tête. Geoffroy Soulez, local de l'étape, bouclait sans faute avec Cocorico et s'assurait donc de rester dans le top 5. Sans faute aussi pour le Finlandais Elmo Jankari et Duchesse Désirée, le couple champion d'Europe, jeune cavalier ici même l'an dernier, et donc une 4e place à l'arrivée. Car devant, personne ne tremblera, les 3 tricolores conservent leur position et la victoire revient donc à Thomas Carlile et Sirocco du Gers. C'est extra, moi je suis ravi, c'est vrai que c'est un jeune cheval de 8 ans, il a montré de superbes choses l'an dernier. À 8 ans c'est toujours une année assez, pas très évidente pour les chevaux, ils abordent le haut niveau, ils sont contre des chevaux d'âge qui ont plus d'expérience. L'an dernier il était invaincu sur 10 sorties, cette année je crois que c'est sa 2e victoire,
Il a gagné la Pro Elite à Tartas, puis il était deuxième à Fontainebleau du CCI2. Mais entre-temps, il avait fait moins bien le CIC2. Il était tombé au Master Pro un peu avec Sid Fougue. Donc c'est vrai que c'est un peu une saison pour lui de haut et de bas. Et j'espère bien que dans les concours à venir, ça va se stabiliser plutôt sur l'eau. En attendant de revoir Thomas avec Sirocco, on le retrouvera dès ce week-end avec Maxime Livio à Aix-la-Chapelle en équipe de France. Et je suis donc avec notre invité Cédric Liard. Cédric, bonjour. Bonjour. Toi, tu as décidé de ne pas monter ici. D'abord, pourquoi est-ce que Jardy ne fait pas partie du programme pour toi cette saison avec Cadeau du Roi, ton cheval de tête? Parce qu'en fait, le programme, c'était le Grand National de Jardy plutôt il y a 15 jours. Ouais. Et le terrain étant un peu ferme, on a préféré avec Thierry Touzin ne pas le courir sur cette épreuve-là. Et puis il va finir sa saison sur le Grand National de Saumur dans 15 jours maintenant. D'accord, donc Saumur, ce sera la dernière étape avant les Jeux équestres mondiaux, 6 jeux il y a, mais tu fais quand même partie des cavaliers qui sont pressentis pour faire partie de cette équipe de France en Normandie. A priori, le cheval a fait une très bonne saison et si tout va bien, si le physique est là, ce qui est le cas aujourd'hui, le cheval devrait aller faire les Jeux mondiaux. Ouais. Il a fait une très bonne saison, il a très bien fini aussi l'année dernière, parce qu'on se souvient de Pau, où tu rentres dans le classement. Et ensuite, toi, tu es parti à l'étranger aussi cette année. Comment est-ce que tu as prévu justement cette saison avant un tel événement? En fait, le cheval est un pur sang, donc il n'avait pas vraiment besoin de refaire un format long, format CCI. Donc on a décidé de le préparer sur les nationaux en France et par contre de lui donner une épreuve un peu plus éprouvante en Angleterre sur un terrain très vallonné qui sera un peu ce qui sera le cas au Pin. Et il a couru à Chatsworth très très bien et là on a un petit peu appuyé sur la pédale entre guillemets pour lui donner un bon travail physique là-bas. Donc il a pris son effort de l'année et maintenant on le garde bien, bien prêt pour qu'il soit au top au mois d'août. Alors justement, comment est-ce que toi tu fais pour garder un cheval prêt entre les compètes, avant un tel événement, comment est-ce que tu vas travailler ce cheval-là justement? Ce cheval-là travaille beaucoup en dressage parce que maintenant, de toute façon, c'est la clé de la réussite. Donc il passe beaucoup de temps, on fait beaucoup de stages à Saumur cette année, donc il travaille beaucoup en dressage. Et quand j'ai des week-ends off, je l'amène assez souvent au concours épique. Okay. Il saute pas très haut, je lui fais faire des préparatoires 125 pour le rassurer, caler un peu mes réglages. Donc il sort plutôt en concours épique et puis on travaille aussi le dressage et la condition, les galops. Ce cheval-là galope à peu près une fois par semaine entre les épreuves. D'accord, donc les galops, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon récurrente pour les gens qui ne connaissent pas trop la discipline. C'est important de le faire, ça les fatigue pas trop justement ces galops-là. Tout dépend des épreuves visées en fin d'année en fait. Hein. Ouais. Ce cheval-là pourrait, pour un CCI 3 étoiles, galoper au dernier moment un petit peu plus à la fin qu'au début de la saison, mais en fait, avec le cross risque d'être vraiment difficile, très vallonné, extrêmement fatigant, ça, on en est sûr. Ouais. Le cheval a besoin de s'entraîner beaucoup, et j'ai la chance à la maison d'avoir une piste de galop en côte qui monte beaucoup, donc je galope régulièrement, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de vitesse pour le faire vraiment travailler, donc je préserve la santé du cheval, mais je lui mets quand même un vrai foncier, un vrai travail de fond. Le Haras du Pin, c'est un site que tu connais évidemment, tu as déjà monté là-bas et l'année dernière, tu as fait ces épreuves préparatoires, le test event, avec ce cheval-là. Alors évidemment, ce n'était pas le même niveau qu'il va y avoir cet été, mais à quoi est-ce que tu t'attends en fait, puisque tu as fait un repérage l'année dernière? Ouais. On espère un très gros cross, de toute façon le terrain est très vallonné, ouais. Notamment au milieu du cross, il y a deux côtes qui vont durer une minute, ce qui est très long dans un CCI 4 étoiles parce qu'on sera dans une grande vitesse. Mm-hmm. Donc ça va être un cross très éprouvant et Pierre Michelet va, j'espère, nous mettre un cross très technique. Donc on s'attend à une grosse épreuve. Toi justement, ça ne t'inquiète pas, le fait que ce soit évidemment difficile, ça on s'y attend tous, mais tu espères plutôt un gros cross, ce serait un avantage pour toi? Mon cheval va bien et puis c'est un gros galopeur. Et puis je pense qu'effectivement, sur ces épreuves-là, souvent les résultats se font quand même sur le fond, ouais. Sur le cross. Et donc on espère que ça se fasse pour ce soit le cas pour cette épreuve-là. Le fait que ce soit sur deux sites, ça aussi tu l'as vu l'année dernière, vous avez pris les camions, vous êtes tous partis à Caen pour les pics. C'est quelque chose que tu trouves un peu difficile, c'est quelque chose finalement qui est mieux de finir dans le stade à Caen. Comment est-ce que toi tu vois ce changement de site? Au niveau spectacle, c'est sûr que c'est mieux de finir à Caen. Après, c'est vraiment très bien routiné visiblement dans le test event, tout était très bien fait. Pour les chevaux, ça ne va pas être une épreuve plus difficile que d'habitude, ils vont faire un quart d'heure ou 20 minutes de camion. Ils ont l'habitude, c'est pas... Non, je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça. Comment tu te sens? On est à 6 semaines maintenant du début de ces Jeux. Voilà. Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu dors toujours bien la nuit? Oui, je suis pas très stressé. Ouais. Mais
je suis serein et très impatient surtout parce que j'ai, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des chevaux qui arrivaient, qui étaient vraiment sur la montante pour une épreuve choisie. Et là, le cheval arrive vraiment très très bien, donc je suis plutôt excité et impatient d'y être si j'y suis. Ouais. Le moral de cette équipe de France, tu côtoies évidemment tous tes futurs équipiers, c'est tout ce qu'on te souhaite. Même si là tu montes pas, vous êtes tous à peu près au même endroit tout le temps. Comment est-ce que ça va justement? On s'attendait à avoir un choix peut-être plus difficile pour le sélectionneur. Au final, bon, il y a toujours en fin de saison moins de couples potentiels qu'en début de saison. Comment est-ce que va le moral? Le moral va bien, je pense que... Enfin, tout le monde a envie de le faire bien, et puis on a une bonne au sein de l'équipe de France, on a une bonne équipe, on s'entend tous très bien, et puis on a vraiment envie d'en découdre. On est chez nous, on a envie de prouver qu'on peut bien faire, quoi. La médaille ou la santé? Ah oui, il faut toujours la sentir. De toute façon, il n'y a pas de raison, ouais, tout à fait. Bon, bah c'est tout ce qu'on vous souhaite. On se retrouve, je l'espère, en Normandie, entre le Haras du Pin et Caen. Merci beaucoup et bonne Avec préparation. Plaisir. Merci. Et pour terminer cette émission, on change de discipline, on va parler de voltige maintenant avec la dernière répétition avant les Jeux équestres mondiaux pour les Français. Ça se passait au Mans sur les championnats de France. Dans le manège du Mans, presque tous ceux qui sont attendus à Caen pour les Jeux équestres mondiaux étaient présents pour répéter leur programme devant les juges. Et ceux que l'on attendait ont presque tous répondu présents. L'équipe numéro 1 de la Cigogne a largement remporté le championnat avec une note totale de 8,364. Comme à son habitude, leur cheval Vatriano s'est montré régulier et performant. Il prouve encore une fois qu'il est l'un des meilleurs du circuit, longé par Fabrice Holzberger. Sur un programme moderne, l'équipe qui a déjà eu de très bons résultats en internationaux depuis le début de l'année fait partie de celles que l'on attend sur un podium à Caen. Dans la catégorie féminine, le trio de tête est composé des trois jeunes femmes qui représenteront la France en Normandie. Après avoir obtenu sa qualification il y a quelques jours, la cadette Manon Moutignot termine en bronze sur Watson ENEHN, longée par François Attimon. Tandis que Manon Noël termine deuxième sur Kirsch de la Love et que Anne-Sophie Musset-Agnus remporte un nouveau titre de championne de France avec Papillon de l'Aume. Avec une note finale atteignant presque 8 et l'expérience déjà acquise, Anne-Sophie sera la chef de file de cette délégation féminine. Enfin chez les hommes, Nicolas Andréani l'emporte très largement sur Piccadilly. Il devance l'Alsacien Vincent Hennel, très régulier, avec une note supérieure à 8 sur Quartz Dolbich. Enfin, Rémi Ambeck finit en bronze sur Dairon en atteignant presque cette barrière des 8 points. Déception en revanche pour Yvan Nous qui a connu quelques soucis avec son meilleur cheval et qui voltigeait ici sur une nouvelle monture. À l'arrivée, il termine seulement 4e. Et un voltigeur français n'était pas au Mans, mais à Aix-la-Chapelle, puisque le CHIO a déjà commencé. Jacques Ferrari termine 2e, mais pas sur Poivre Vert, son cheval habituel, sur un cheval allemand. Il a notamment remporté le Libre de Bon Augure, donc avant les Jeux mondiaux. Aix-la-Chapelle, c'est justement là où on se retrouve lundi prochain pour le prochain numéro de Tour d'Honneur. D'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao à tous.